is finished! Look the situation. Look here. Make photos here. 2 weeks here. Outside here in the street. Tu vois les points là? Il y a beaucoup de monde là-bas. Les policiers n'est pas gentil avec lui. Every day the people here outside. Every day the people outside. And take 45 persons only. Why? And ask him, also ask him. Ask him for what? Ask him. I'm from Sudan, and all people here from Sudan and Afghanistan. Sleeping here, 7 days. 7 days? Yes. Waiting for... Waiting for... going inside. Problem here. The light. Give you something for the cold. No, just this. Just have this blanket. Every day this problem. Police coming, fighting, but it's a big problem. For her, I love France, but now I have France because can you see this horizon? Why I sleep here? In Israel. What the fuck is this? This is a great country. Now I wanna go. UK because he respect me, but France does not respect me. Look, I'm sleep, I'm sleep like animals, like anything. No. Oh.
Là, du coup, il y a le centre qui a ouvert ce matin à 8h. Donc, ils ont ouvert les portes pour 45 à 50 personnes, je crois. 45 personnes, ils ont gardé 5 pour les vulnérables. Voilà, c'est les personnes qui seront hébergées. Là, tout à l'heure, à 14h, ils vont ouvrir encore entre 30 et 50 places pour l'accueil de jour. Donc, c'est juste, ils rentrent dans la bulle pour être au chaud dans la journée. Ils chargent leur portable et tout. Et ils ressortent le soir. Et là, du coup, on est en train de nettoyer, de récupérer toutes les couvertures pour les mettre à décontaminer et ensuite les redistribuer. Et voilà, et on fait un petit coup de nettoyage derrière encore. Vous, en tant qu'association, c'est quoi votre rôle ? Nous, pour tout ce qui est dans le centre, on fait du tri de vêtements, de la décontamination, machine à laver, on fait de la distribution aussi de vêtements, de kits d'hygiène, tout ça. On donne également des kits pour les mineurs, les familles. On est aussi du coup à l'extérieur, on s'occupe de la ligne le matin, on reste toute la journée pour être là, pour être sûr que tout se passe bien. Servir du thé toute la journée dans la rue. On est là aussi pour répondre à leurs questions, accompagner les gens à l'hôpital s'il y a besoin, à des rendez-vous s'il y a besoin. Voilà, on a une équipe qui s'occupe aussi d'essayer d'encadrer les mineurs au mieux, les familles, les femmes, et de les rediriger vers les gens qui les prennent en charge. C'est un peu tendu, ouais, parce que ouais, ils ont passé toute la nuit dehors dans le froid et donc quand ça ouvre, ils veulent tous être, ils veulent tous pouvoir rentrer. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc c'est un peu, ça pousse un peu dans tous les sens. C'est le problème, en fait, le matin, on peut ouvrir que 50 places parce qu'il y a 50 sorties aussi par jour, quoi. Là, il fait moins 5 degrés, du coup, le transport n'est pas activé. Si jamais il mettait, ça changerait quoi? Je sais pas exactement ce que ça changerait, mais je sais que il y a une prise en charge de l'État qui se fait à un moment, en plein grand froid, de toute personne à la rue, que ce soit migrant ou sans domicile fixe. Voilà. Donc là, si le plan grand froid était déclenché, ces gens ne dormiraient pas dehors? Normalement, non. Bah, c'est-à-dire que vu que les gens, il y a très très peu de places le matin, donc il y a à peu près entre 45 et 50 places tous les jours, parce que bah il y a des personnes qui partent du camp et donc ils ont que cette capacité-là, il y a une file d'attente avec des barrières, et donc les gens dorment dedans pour éviter de se faire jarter par la police. C'est-à-dire que s'ils dorment sur le trottoir, ils sont virés. Dans la file, parfois ça va, parfois ils sont évacués, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et du coup, il commence à faire extrêmement froid en ce moment. On se demande aussi pourquoi le plan grand froid effectivement n'est pas activé. On en parle et pour l'instant, on n'a pas de réponse réelle. C'est un peu compliqué. Les associations sont organisées pour effectivement donner à peu près un repas par jour chaud. Parfois des petits déjeuners, comme on a vu ce matin, mais aux gens qui sont dehors, pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est géré par Emmaüs, c'est un traiteur qui fait ça. Donc du coup, voilà, le problème, c'est qu'il va y avoir des problèmes sanitaires si ça continue, parce que bah, c'est dégueulasse, parce que bah, les gens vivent ici, ils n'ont pas le choix, qu'il y a beaucoup de tensions, parce qu'il y a des gens qui doublent, parce que c'est leur seul... façon en fait d'accéder tout simplement au site et qu'il n'y a pas assez de place, ça c'est une réalité. Je pense que tant qu'on n'a pas trouvé un autre système pour la file d'attente, les gens continueront à dormir dehors même s'il y a le plan grand froid, parce qu'ils veulent pas perdre leur place. Il y en a, ils font la queue pendant un ou deux jours et puis bon bah
Le troisième, ils arrivent juste devant la grille, ils sont prêts à rentrer le lendemain, sauf que bah voilà, les flics évacuent la file, on sait pas trop pourquoi. Vu que ça change tout le temps et qu'il y a quelques temps on avait une brigade pas forcément la plus sympathique, bon bah voilà, c'est comme ça. C'est un peu du. Au petit bonheur la chance quoi, en quelque sorte, et ça c'est pas possible. Après. Placé en intermédiaire entre les réfugiés et les associatifs pour calmer le jeu. Alors nous on fait partie d'une association. Après on essaie de se placer en intermédiaire et on essaie de faire bouger les choses de l'intérieur avec la police, en dialogue avec parfois la mairie de Paris. Il y a souvent la mairie de Paris qui est devant et qui a très bien compris le problème, mais qui n'arrive pas parce que parfois ils ont les pieds et mains liés. Par contre pour le plan grand froid, ça c'est une autre question quoi. C'est très difficile parce que nous on distribue à peu près 150 et 200 couvertures par soir. Et ça ne suffit pas en fait, tout simplement. On a toujours des gens qui demandent encore et on n'en a juste pas assez quoi. Et ça c'est une vraie problématique. En fait, ils ont peur du camp devant le camp. Mais le problème c'est que s'il y a un camp devant le camp, c'est parce qu'il y a des gens. Donc si on trouve pas de solution pour ça, effectivement on pourra que continuer à essayer de résoudre le problème, on le résoudra pas. Depuis le début de l'hiver, bien sûr que la situation s'aggrave parce que déjà il y a de plus en plus de gens, d'une part, et puis d'une autre, il fait de plus en plus froid, et qui dit plus en plus froid dit de plus en plus de problèmes. On a de plus en plus de personnes qu'on amène à l'hôpital parce que des petites blessures, mais avec le froid, la nuit passée dehors, ça devient ingérable. Donc voilà, on a quelques petites choses. On a un camion MSF maintenant qui tourne dans Paris, un camion qui soigne un peu de bobologie, qui vient souvent s'arrêter pas très très loin, on peut lui envoyer des gens. Maintenant c'est devenu un peu un point de repère, hein, c'est-à-dire le camp de la Chapelle c'est quand même connu par les réfugiés, et ils veulent rentrer dedans, donc pour être au chaud tout simplement. Là déjà d'une part je pense que le plan grand froid ça serait vraiment une très très bonne idée qui arriverait. Après pour la gestion de la file, ça fait longtemps qu'on pose, qu'on essaie de pousser pour que les choses changent. Les réfugiés même donnent des propositions qu'on fait remonter et avec lesquelles on est en train de discuter, on essaie de faire avancer les choses, mais c'est très compliqué. Les machines comme l'État ou la mairie de Paris, plein de choses comme ça, c'est assez compliqué à faire bouger parce que c'est des gros organismes, ça demande un peu plus de coordination. Mais on espère que là, normalement, on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps et ça devrait bouger. Donc on va faire tout pour que ça continue. Quoi. Là, la part faire direct. Ouais, des réactions, la chaîne, c'est quand même une image assez forte, c'est vraiment la seule solution. Pour l'instant, nous, on n'était pas forcément d'accord. Le problème, c'est que quand ils ne le mettaient pas, il y avait un vrai goulot d'étranglement qui se mettait au début. Et donc, du coup, les mecs, en fait, s'évanouissaient carrément dans la file. Parce qu'il y avait trop de pression, voilà. Et donc là, c'est... Nous, on pouvait pas forcément les faire reculer petit à petit. Donc là, du coup, direct, c'était la police qui s'en mêlait parce que, pouvoir ordre public un peu plus important, et donc là c'était beaucoup moins rigolo quoi. On se fait gazer à peu près tous les deux jours en étant dans la file, en essayant de tempérer un petit peu. Après c'est la chaîne, non, c'est clairement pas la bonne solution. Enfin c'est pas du bétail les gars quoi, c'est justement quoi, ces barrières en goulot d'étranglement, c'est pas du tout la bonne solution. C'est pas comme ça. Et si le plan grand froid peut-être est activé et que des gymnases sont ouverts, peut-être qu'il y aura moyen justement d'aller directement dans les gymnases, proposer donc du coup, toi écoute, les 50 premiers qui arrivent,
vous pouvez aller dans le camp de Port de la Chapelle le lendemain, et puis les 50 prochains, et puis comme ça au moins ils sont logés au chaud. Et encore ça, c'est un système de substitut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce gymnase il sera rempli. Et donc du coup, il y aura la queue devant le gymnase. Et donc du coup, il y aura quand même une queue. Donc voilà. Tant qu'en fait on n'aura pas augmenté les places d'accueil, bah le problème c'est que c'est ça.